Madame Dodu l'était vraiment. Était quoi? Dodu, bien sûr. Et elle était aussi dodue qu'un coussin. Et elle habitait une maison toute ronde qui s'appelait Villa Clafoutis. Par un beau matin d'été, Madame Dodu se réveilla de bonne heure. Comme elle avait un peu faim, elle descendit bien vite à la cuisine. Et elle commença à préparer son petit déjeuner. Pas si petit que ça en vérité. Elle se fit griller des saucisses. Si jamais tu avais envie de manger des saucisses au petit déjeuner, combien en mangerais-tu? Une? Ou deux peut-être? Ou trois à la rigueur? Et Madame Dodu, à ton avis, combien en a-t-elle mangé ce matin-là? 66. Tu peux les compter? 66 saucisses en sachet. Oh, c'est difficile à prononcer. Mais non, 66 saucisses, 66 saucisses en sachet. Et encore plus difficile à digérer. Mais non. Sauf quand on s'appelle Madame Dodu. Madame Dodu, ayant mangé 65 saucisses, coupa la 66e saucisse en deux. Et en dégusta une moitié, puis l'autre. J'étais bien bon, se dit-elle. Maintenant, je vais me faire des tartines. Quand tu prends des tartines au petit déjeuner, combien en manges-tu? Deux? Ou trois peut-être? Ou quatre à la rigueur? Et Madame Dodu, à ton avis, combien en a-t-elle mangé ce matin-là? 33. 33 tranches de pain croustillant tartinées de beurre et de confiture. Quel délice! Madame Dodu venait d'avaler la dernière bouchée de sa 33e tartine quand quelqu'un sonna à la porte de la Villa Clafoutis. C'était le facteur. Bonjour! Vous avez une lettre, Madame Dodu! Annonça gaiement le facteur. Oh, chic alors! S'écria Madame Dodu qui adorait recevoir des lettres. Et elle invita le facteur à prendre une tasse de thé avec elle. Une tasse? Oh, ça ne prendra qu'un instant, l'eau est prête! Tu as vu la taille de la théière de Madame Dodu? Alors, monsieur le facteur, un sucre? Oh, Justin, s'il vous plaît. Oh, Madame Dodu, quel bonheur! Une petite tasse de thé. En plus, il est bon. Ah, merci, monsieur le facteur. Non, non, je suis très sincère, il est très très bon. Ah, vous me flattez! Le facteur but une tasse de thé, remercia Madame Dodu et s'en alla. Madame Dodu se versa une autre tasse de thé, c'était la 15e, et ouvrit la lettre qui venait de Monsieur Glouton. Chère Madame Dodu, pouvez-vous venir déjeuner chez moi mercredi prochain pour fêter mon anniversaire? Je vous attendrai vers midi. Signé Monsieur Glouton. Madame Dodu se faisait une joie de revoir son vieil ami Monsieur Glouton. Ce mercredi-là, le temps était magnifique. Oh, je crois que je vais mettre mon nouveau chapeau. Oh, voilà, c'est mieux. Madame Dodu fit quelques préparatifs et prit son petit déjeuner assez tard. Tu sauras bientôt ce qu'elle a mangé ce matin-là. Oh, il faudrait que je m'achète une voiture plus grande. Avant de monter dans sa voiture, elle posa quelque chose sur la banquette arrière. Quelque chose de très gros. Un cadeau d'anniversaire pour Monsieur Glouton. Oh, allons, allons, que se passe-t-il? Oh. À midi pile, Madame Dodu arriva chez Monsieur Glouton. Monsieur Glouton vint à sa rencontre. Oh, chère Madame Dodu, comme je suis content de vous voir. Oh, bon anniversaire, répondit Madame Dodu. Et elle fit deux grosses bises à Monsieur Glouton. Monsieur Glouton rougit d'émotion. Madame Dodu se retourna pour prendre quelque chose dans sa voiture. Tu sais ce que c'était? Mais oui, bien sûr, le cadeau d'anniversaire. « Voulez-vous m'aider à transporter ce que j'ai dans ma voiture ?» demanda Madame Dodu. « C'est très lourd !»« Avec plaisir !» C'était un gâteau énorme, gigantesque, colossal. Un gâteau fourré à la framboise et décoré avec du sucre glace rose. « Et j'ai mis une seule bougie !» expliqua Madame Dodu. « Parce que je ne sais pas quel âge vous avez !»
Oh, vraiment, Madame Dodu, je suis confus. Vous n'auriez pas dû vous donner tout ce mal. Mais j'ai quand même une excellente idée, déclara Monsieur Glouton en se léchant les babines. Et je l'ai confectionnée ce matin, dit Madame Dodu. Et elle ajouta à voix basse, je dois vous faire un aveu. À vrai dire, j'avais préparé deux autres gâteaux, mais ils avaient l'air tellement bons que j'en ai mangé au petit déjeuner et l'autre pour le déjeuner. Oh! Et celui-là, il est pour le thé alors? Oh, quel régal! Et si nous le dégustions? Oh, bonne idée! Ah oui! Mmh. Mange que c'est bon! Oh, merveilleux! Mais c'est petite meringue! Et ces bonbons caramélisés! Parce que c'est bon tout de même. Allez, juste un morceau encore. Oh, d'accord, Madame Dodu.